Je pensais qu'elle était très riche. Moi. Alors, il faut quand même dire qu'Isabelle Mergault nous a osé nous dire hier soir pourquoi j'ai choisi cette question. Oui. Elle a osé nous dire qu'elle préférait le cassoulet en boîte. Oh là là. De chez William Sorin. Vous êtes mauvais ou vous voulez que je me fasse lyncher ? Ah bah oui. Moi, je m'en fous, je suis pas ici, je suis à Arcachon. Eh ben, oui, je ne vois pas la différence. Ah bah si, la saucisse est au point. Il y a la patronne du restaurant. On l'a engueulé hier, on l'a engueulé. Hein, ah non, mais croyez-moi, on l'a pas lâché sur cette affaire-là. On lui en faisait reprendre, on lui faisait goûter la saucisse, on lui disait, mais ah, regarde cette saucisse. Et ça, ce morceau de perdrix, il y en a dans les boîtes de William Sorin. Non, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de haricots dans... Oui, presque. Excusez-nous, hein, on avait... trouve du couscous dans le cassoulet, c'est mauvais signe. Oui, mais une boîte de haricots, bon, finalement, que ce soit fait maison ou en boîte... Ah non, mais tu rigoles. Mais ne serait-ce que la viande n'est pas la même. Dans William Sorin, c'est une espèce de viande broyée. Là, on a de la vraie saucisse, on a du vrai canard. La chatelle. Eh oui, c'est pas la même chose. Eh oui. Vrai quoi. Mais même leur choucroute a un goût de choucroute. Alors, elle a dit qu'elle préférait la choucroute au aussi final. Aussi en boîte ouais. Non, moi, j'aime quand il fait chaud manger des plats chauds. Oui, c'est le principe. Mais c'est eh trop bah, faire. Oui. Le cassoulet, il était brûlant hier soir. Ah oui, alors bah, voilà. Et donc, brûlant. Je comprends qu'on mange du couscous et qu'on boive du thé chaud. Quand il fait chaud, ça désaltère plus que de manger du frais. Ça évite le choc. Parce que le cassoulet, voilà. Le cassoulet, on le recuit pendant des jours et des jours. Hein. Ah, mais c'est trop. Le temps qu'on trouve une perdrix. C'est pas vrai. Mais tous les plats en sauce, c'est toujours meilleur réchauffé. Hein. Oh bah évidemment, monsieur. De toute façon, monsieur oui. Stevie. Avec Isabelle, vous aviez un cassoulet à la bécasse, c'est pas mal non plus. Vous le cuisinez vous-même, monsieur Janssen, le cassoulet. Non, je sais pas le faire. Maman, c'est le faire. Maman. À votre maman. Oui, oui, c'est le faire. Et puis justement, c'est vraiment meilleur le lendemain quand ça a été réchauffé. Tu fais des grosses plâtrées familiales, oui, avec les haricots, les machins. Et je pense que t'as un problème de palais parce que c'est pas bon en boîte du tout, hein. Non, je dis pas que le cassoulet en boîte est meilleur. Je dis que vous prenez. Elle a un problème de palais, ça c'est sûr. Non, mais c'est peut-être sa Madeleine de Proust. Sa mère, elle avait peut-être pas le temps de lui faire un vrai cassoulet. Elle lui a donné du William Sorin. Le cassoulet, ça fait faire et des Proust. Et maintenant, elle adore le William Sorin. Voilà. Non, ma mère m'a jamais fait de William Sorin. Non, mais vous prenez une boîte de haricots déjà fait. Enfin, dans une boîte. Oui, ouais. Après, ok, vous prenez une bonne viande. Vous mélangez le tout. Un vous gigot. Gratinez un petit peu. Vous voyez pas la différence. Ah si. C'est indéfendable. Isabelle. Attends, on va se faire siffler là. Surtout ici. Siffler là. Ouais. C'est lui qui a lancé. C'est Laurent Ruquier qui a lancé. Moi, je pense qu'il faudrait une autre question. Oui, bah vous sifflez pas beaucoup. Je suis sûre qu'il y en a qui sont d'accord avec vous. C'est comme si on était à Dieppe et que tu critiquais les moules, tu vois. Il y a un truc.